Salut les plots, c'est Alex Mortor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur F1 2020. Enfin, on se retrouve pour F1 2020 et on est en My Team. Donc, c'est parti. Là, on est en train de signer un sponsor pour la saison et on va aller du côté Génial. de ce sponsor. Maintenant, on a un budget pour notre développement. Mais sans moteur, on n'ira pas bien loin. Signe un contrat avec un motoriste. On veut un moteur performant et fiable, mais il faut aussi que ça rentre dans le budget. Et rappelle-toi qu'on va devoir investir dans de nombreux autres domaines. Ouais. Bon, ben, à choisir caractéristiques. Je veux que ça soit parfaitement comme Bon, une Mercedes, on quoi. a presque réglé tous les aspects importants de l'écurie. Mais il faut encore engager ton coéquipier. Ces pilotes sont disponibles pour devenir ton premier coéquipier. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, alors prends bien en compte toutes leurs données avant d'engager qui que ce soit. Les pilotes gagnent en popularité grâce à leur performance. Après avoir gagné suffisamment de popularité, les pilotes passent au niveau supérieur. Plus le niveau d'un pilote est élevé, plus il permet à son écurie de gagner en popularité. Et souviens-toi, passer rapidement au niveau supérieur avec l'écurie signifie qu'on obtiendra plus vite de meilleurs revenus. Plus un pilote a de l'expérience, plus il rapporte de points de ressources pour développer la monoplace. Les stats d'aptitude sont basées sur l'adresse du pilote et sa capacité à dépasser lorsque l'occasion se présente. Les stats de réaction indiquent la capacité du pilote à éviter les erreurs et les incidents. Le rythme correspond à la faculté du pilote à établir de bonnes performances au tour. La note englobe les compétences générales du pilote. Ok, bon ben on va choisir un autre français. Dorian Boccolacci. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour démarrer avec ce motoriste et ce coéquipier. Modifie l'un de tes choix ou bien essaye de trouver un Bon, on va sponsor changer de qui offre moteur un meilleur alors. rapport initial. On va changer de moteur. Plus nos performances et notre fiabilité sont bonnes, mieux c'est. Mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent. Nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes nous fourniront également des améliorations gratuites durant la saison. Super! On Moteur peut se Renault. permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix si tu en es satisfait. Sélectionne ou modifie ta livrée pour la saison. Nous pourrons rajouter des sponsors à la monoplace au fil des contrats. Et surtout, ne t'inquiète pas, tu peux modifier ta livrée à n'importe quel moment au QG. Donc voilà, ben, moi j'ai déjà commencé à faire une livrée, donc voilà à quoi ça ressemble. Il faut maintenant un badge pour représenter l'équipe. Tu peux sélectionner un badge existant, le modifier ou bien en créer un. On va créer. Y a pas genre des pistons? Genre on va faire un truc comme ça, tu vois.
non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va faire un truc qui ressemble à peu près. Faire ça, juste modifier la couleur, donc ça c'est bon. La première couleur c'est bon, c'est la deuxième. Voilà, comme ça, nickel. Et pour finir, nous devons choisir les couleurs de l'écurie. Ces couleurs seront visibles au QG, ainsi que sur les tenues des pilotes, des mécaniciens et des membres de l'équipe. C'est tout pour l'instant. Tu peux modifier tes choix à tout moment et nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur confirmer pour te rendre au QG de l'écurie où ta carrière de Formule 1 va commencer. Ok, bon, mais voilà les amis, la petite monoplace. Oh, ils sont 22 courses, oui. Oui. Ah ben voilà les amis, sur ce ben on se retrouve pour le Grand Prix de Melbourne, pour le premier Grand Prix de la saison dans l'écurie. Dans l'écurie Alex Motors Team. Et voilà. Bon ben je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien et cassez pas trop les soupapes. Salut. Et bien salut les pilotes, c'est Alex Motors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour le premier Grand Prix de la saison. Rencontrer la presse, ok. L'art délicat de la diplomatie, ok. Mettez-vous dans la presse, mettez-vous la presse dans la poche, ok. Gestion de l'écurie, ok. Coaching médiatique, ok. En direct dans 5, 4, 3. Bonjour à tous, bienvenue au quartier général de la nouvelle écurie de Formule 1. Nous avons été invités en coulisses pour une plongée exclusive au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vue depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces 10 dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Caterham, HRT et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats, tandis que d'autres ont été rachetées ou ont même depuis complètement disparu. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire, qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill,
et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire l'est aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula 1. Vous sentez-vous d'attaque ? Il faut toujours deux pilotes pour former une écurie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier ? Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer ? À quel genre de ressenti vous attendez-vous en piste avec la monoplace ? Les autres écuries ont maintenant plusieurs années d'expérience sur et hors circuit. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau ? Les dépassements font partie intégrante de ce sport. Votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera ? Et pour finir, parmi vos nouveaux départements, lequel est votre plus grande source de fierté ? Eh bien, c'est tout pour le moment. J'ai hâte de voir comment ces petits nouveaux vont s'en sortir pour leur premier Grand Prix. Et coupé. Beau travail en interview. T'as bien résumé l'esprit et le travail de l'écurie. Dès que t'auras un peu de temps, jette un œil à l'arbre R&D pour voir où on en est et dans quel domaine il faudrait investir. Et tant que tu y es, passe au QG voir comment l'équipe se porte. Tu peux consulter ici nos infrastructures actuelles et les effets qu'elles ont sur l'organisation. Tu peux aussi investir une partie de notre capital dans les améliorations de ces infrastructures. Une utilisation optimale de notre temps est cruciale entre les courses et c'est ici que ça se passe. Gère les activités des employés pour exploiter au mieux les performances de l'écurie. Ok. Ok, nickel. Le châssis. Voilà, on va faire ça sur le châssis maintenant. Alors ce qu'on veut, c'est que ça ressemble, hormis le moteur qui est un moteur de Renault, mais on veut que ça ressemble à l'écurie Mercedes ou Ferrari, bon bah pas de cette année malheureusement, mais celle des dernières années. Et fond insuffisant, ok. Fond insuffisant. Fond insuffisant, d'accord. Et ben c'est pas à gagner tout ça. Ah, ça c'est gratuit. Bon, je crois qu'en fait on va pas dépenser en ce moment.
Attends. Ok, bon. Ok, bon. Recherche, développement. Ok, ouais, bah ça a pas changé. Donc, nous, on est là. On est quand même meilleur que As. Et on est quasi côte à côte avec Alpha Tauri. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, voyons voir. Sur le châssis. On va tout miser sur le châssis. Et fond plat arrière. Et fond plat central. Alors c'est pas ça, c'est le motrice, je pense. Aéro. Longévité. Oh, peut-être la longévité. Installé, ok. Fiabilité de la boîte. Alors, non, on va quand même faire au niveau du châssis. Alors, central ou avant. On va mettre central. Bon, ok. Ensuite. Au niveau quoi, ça c'est châssis mot chaîne motrice. Acheter, ok, acheter. Ok, bon, il n'y a plus de fonds nécessaires apparemment. On va voir sur la longévité. Ah! Bon, on commence à être pas mal là. Au niveau de la fiabilité. Si je laissais comme ça. On va quand même mettre en longévité. Bon, il n'y a plus rien. Mais au moins. On dépasse déjà McLaren, Renault, Aston Martin, Red Bull, AlphaTauri. Et voilà. Ok. Bon, c'est bon. Le véhicule. Ça va pas toucher pour l'instant. Donc voilà. Ok. Bon ben on va se retrouver pour le Grand Prix, les amis. Donc là, on va passer à la révélation de la monoplace. Voilà.
Elle est pas jolie quand même, la couleur et tout. Blanc et noir. Franchement stylé, stylé. Bon, ben voilà. Allez. Accélérateur. Et on se retrouve pour le Grand Prix.